Salut tout le monde, c'est Fabrice. Une nouvelle petite vidéo sur Fishing Planet. Nouvel endroit qui a été débloqué grâce à Noël. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris les permis déjà. Je vais vous montrer mon montage. Alors, faut être vraiment monté gros parce que ils sont pas simples à sortir. Oh, j'ai dû utiliser quelques pièces d'or pour le moulinet. Le fil, je pense pas, je m'en rappelle plus. Et le lancer, je l'ai déjà depuis un petit moment. Vous pouvez voir. Le moulinet, c'est un prime à 2000. Pas mal puissant maintenant, c'est le moulinet, enfin le lancer, je veux dire la quête qui commence un peu à faiblir avec le fil, mais le moulinet suit bien, très bonne performance. Je pêche avec cette cuillère là que je trouve vraiment très très bien, et je crois que j'en rachète d'autres. Ah ouais, ok, c'était avec des pièces d'or. Ouais, je vais faire avec ce que j'ai déjà, je verrai bien. J'essaie de garder pièces d'or pour m'acheter du matériel, genre lancer une ligne. Du coup, ouais, je vais rester comme ça. Moi, je tenais à vous souhaiter pardon. Un joyeux Noël, j'espère que tout se passera bien chez vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je tenais à vous remercier d'être abonné à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir, on augmente petit à petit. Je suis vraiment content, donc je tenais à vous dire un grand merci. Donc on est parti. Alors, elle est vraiment magnifique cette carte. Vraiment très très belle. Je suis rendu level 13. Hop. On va enlever ça. Le petit décor vraiment super. Le sapin et tout. Le cadeau que je pourrai ouvrir que à partir de demain. Un beau décor. Alors j'ai quelques feux d'artifice. Étant donné que j'ai pêché... j'ai perdu le nom. On va faire un petit feu d'artifice direct. C'était Noël. Waouh. Allez, on est parti. Et poisson, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, j'ai perdu du temps moi, malheureusement, tant que les trucs seront affichés, et tout. Je pense pas en choper un. Je mettrai peut-être quelques photos en. À la fin de la vidéo pour vous montrer quelques trophées que j'ai fait. J'avoue que j'ai un peu galéré parce que au début j'avais pas le moulinet qu'il fallait. Du coup j'étais limite à casser, c'était super dur.
Alors est-ce qu'ils ont augmenté la puissance des poissons? Je sais pas, mais je peux vous dire que j'ai trouvé beaucoup plus dur à les sortir. Vraiment beaucoup plus dur. Bon, pour faire le feu d'artifice, il suffit de cliquer sur F, de toute façon c'est expliqué. Mais il y a un poisson à sortir, un certain trophée à sortir, que j'ai zappé complètement le nom. Ah, là c'est un autre joueur qui fait son petit feu d'artifice. Ah, ça y est, je vais en baisser un peu le frein. Bon, bien sûr, là il va venir tout seul. Ah voilà, la fameuse truite à fourrure, c'est ce qu'il faut que vous preniez pour débloquer le feu d'artifice. Donc c'est une petite, hein. Franchement là c'est une petite, c'est pour ça qu'elle est venue aussi facilement. Allez garder. Et c'est grâce au feu d'artifice apparemment qui les attire. Personnellement, j'en ai pas pris tant qu'il n'y avait pas de feu d'artifice. Après, peut-être que c'est possible d'en prendre même sans, mais ça m'est pas arrivé. Très bien. Ça m'est arrivé de casser, malheureusement. C'est pour ça que j'essaye d'économiser les pièces d'or pour débloquer du matériel, parce que mon matériel commence vraiment à pu faire l'affaire. Bon, à part le moulinet, mais le reste. Le reste malheureusement a vraiment du mal. Allez, amène-toi. Vous me direz que je pourrais monter d'un frein. Un petit poil le frein, mais ça va monter vite dans le rouge et. Malheureusement, j'ai déjà cassé à cause de ça. Je préfère garder. Ah, allez, viens. Ça met pas mal de temps, je peux vous dire que. C'est les premières fois que je me bats autant pour sortir un poisson. J'ai été surpris là-dessus. Je m'y attendais pas du tout. Et d'ailleurs dans le chat, bon, là je l'ai enlevé, vous voyez souvent tel joueur à casser et tout. Ils sont vraiment très très durs à sortir. Enfin pour ma part. Mais j'ai un petit level du coup. Et j'ai pas encore atteint le matériel. Le plus gros matériel du coup je fais avec. Ah, encore un. Mais il m'en reste normalement des feux d'artifice. Il doit m'en rester. Allez. Presque.
Moi je vous disais, ils sont balèzes. Et au moins c'est amusant. Vous battez bien. Allez, amène-toi. Hop là. Ah, comme vous voyez, c'est pas des petits. Hein. Bon, malheureusement, j'ai pas un vivier assez gros. Enfin, la plupart, je suis obligé de les relâcher parce que c'est galère. C'est vraiment très très galère. Mais c'est des sacrées bêtes. Wow. Et au niveau de l'XP, XP je veux dire, ça en donne, mais un max. Donc faut vraiment en profiter, c'est génial. Bon, on va te relâcher. Alors, voilà pour ça. Après, vous pouvez prendre d'autres types de poissons. Juste ici. Alors je suis en profondeur, je suis à 175. Pour l'instant, il m'a l'air d'être moins gros. Ou alors, c'est parce que j'ai changé le fil. On va bien voir, mais... Ok, mais pas dans le rouge. On pourra même limite augmenter encore. Hop. Allez, viens mon pote. Moi, allez, viens. Hop là, voilà les bêtes. C'est des lotes, je connaissais pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est un des poissons que vous pouvez trouver ici. Alors vous pouvez voir que c'est encore un... pas des petits quoi. Celui-là fait on gagne moins 77 d'XP, mais enfin d'XP, à chaque fois je me trompe. Et ouais, pour celui-là je peux le garder sans problème. L'autre je ne peux pas. Voilà pour ça. Hop, je repasse à la cuillère. C'est ce que je pourrais faire perso. Ouais, moi je me mets là en fait. Je me mets vraiment en face. Je pêche là en face quoi. Après, ça m'arrive de faire quelques perches le long là-bas. Ou ici. On va tenter un coup. Et puis on va lâcher quelques feux d'artifice. Thank you.
d'y avoir quelque chose qui essaie de m'attaquer. Mais... on va le laisser retomber. Donc ouais, c'était bien le fil, hein, le fil qui était... J'avais peur de mettre du gros fil avec le moulinet que j'avais, mais non, ça a été... Donc j'ai mis le même fil en fait que j'utilise pour le lancer à la cuillère. J'ai payé par pièce d'or, il me semble. Car j'étais sur un coin de pêche et j'avais pas accès à d'autres fils, du coup j'étais obligé de payer. Ou alors fallait que je rentre et tout, mais je sais pas où lui. Du coup tant pis, j'ai utilisé des pièces d'or. Je vais peut-être vous montrer celui-ci. Du fluorocarbone. 10 euros, mercure, 2 mm. Pour moi, c'est... je le trouve très bien. Même si... sur cette map... il a un peu de mal de temps en temps, mais bon. On va faire un petit feu d'artifice, tiens. Hop. On va le poser ici. Malheureusement, quand c'est vous qui faites le feu d'artifice, le temps que vous le posez, que vous prenez votre canne et tout, il est déjà terminé, donc je pense pas que vous puissiez prendre la fameuse truite. Mais il y en a qui ont pris. Truite à fourrure. Ça aura peut-être aidé quelques-uns. On va faire un tour là-bas, je vais vous montrer un peu. Alors là, on peut aller jusqu'ici aussi. Il est vraiment rapide, le personne. Alors, tout le long, vous pouvez pêcher, là. Jusqu'ici. Voilà. Ça s'arrête là. On va tenter, tiens. J'ai pas beaucoup tenté ici. Ça devrait être bon normalement avec les arbres et tout. Thank you.
tenter un coup. Juste avant la vidéo, j'ai testé un peu et j'ai fait pas mal de poissons. Et là, et ben c'est la poisse, je fais pas grand chose. Je suis vraiment désolé. Comme quoi. J'ai fait un peu tout la dernière fois, enfin la dernière fois, il y a quelques heures. Pas mal de rochers. Ça va, ça se décroche assez facilement. Hop. Bon, on va retourner là-bas. On va y arriver. Dernier poisson pour la fin. Ah voilà. Enfin voilà, faut que je la ramène. Force qu'ils ont. C'est un truc de ouf. Ça m'est arrivé d'être vraiment à genre 98 mètres qui me reste, que j'avais déjà déployé. Et j'avais réussi à le ramener, mais j'avais chaud. Faut vraiment être patient, prendre son temps pour le ramener. Pas la jouer pour un. Enfin, chez moi en tout cas, ça a pas payé quand j'ai joué pour un.
je fatigue à fond. Venir celui-là. Viens me voir. De toute façon, je vais trop lâcher à coup sûr. T'inquiète pas, mon pote. On commence à le voir. Voilà. Belle bête. Ouais, faut que je le relâche. Voilà mon vivier. Et pas bon. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Ils vous feraient quasiment que de ça, du 3 kg et quelques. C'est vraiment super. En tout cas, je vais m'arrêter là. C'était vraiment une vidéo, petite présentation de nouvelle carte. Et puis surtout, pour vous souhaiter un joyeux Noël.